Un petit mot sur le mascara. C'est le mascara, tu le dis souvent, c'est le produit qu'on va acheter en premier parce que tout le monde porte du mascara. Oui. On est dans un mascara 100% naturel. Il en existe très peu dans le monde. On les avait tous essayés puis on les avait tous pas aimés. Ouais, tu te souviens, avant qu'on ait notre ligne. Donc, il faut savoir que de un, il n'est pas hydrofuge. De deux, il faut attendre donc avant de lever les cils. T'sais, il faut jouer avec. Si on veut un mascara naturel, il y a tellement de témoignages de femmes qui ne pouvaient plus porter de mascara à cause de leurs ingrédients toxiques, qui se retrouvaient avec des yeux rouges et tout ça, qui peuvent maintenant le faire. Mais si on a la paupière grasse, il faut mettre une poudre sur la paupière pour pas que le gras fasse tomber le mascara. Mais comme tout mascara qui n'est pas hydrofuge, je veux dire, oui. C'est sûr, s'il n'est pas hydrofuge, mais ça dit qu'il n'est pas hydrofuge. Donc, si on met de l'eau, s'il y a un peu d'huile, c'est sûr qu'il va s'enlever. Là. Moi, j'aime le mascara. On n'a jamais porté d'autre mascara que celui-là. Je dors avec des fois pour tester sa longévité. Puis, il ne tombe pas, il ne fait pas de grumeaux. Donc, c'est sur moi, mais ça va dépendre des personnes. C'est ça que j'allais dire. Ça reste qu'un rouge à lèvres, c'est très personnel, je veux dire. C'est pour ça qu'il y en a autant sur le marché. Puis à chaque semaine, il y a une nouvelle formulation, une nouvelle brosse, oui. Un nouveau mascara qui sort. Je veux dire, on le sait, sur la majorité des lignes de maquillage, ils sortent des mascaras sans arrêt. Donc, ça reste que c'est très personnel. Moi, j'ai des très bons résultats avec lui. Je l'aime beaucoup. Et le parfum, parce que toi, ça a été ton coup de cœur, c'est quand tu l'as senti la première fois. Et il y a des artistes ici aussi au Québec, c'est leur produit fétiche. Donc, ça dépend des goûts. Le parfum, nous, on dit que les parfums, des parfums d'argan. Donc, ce n'est pas l'argan comme tel qui a un parfum, mais c'est vraiment juste le nom qu'on a utilisé et c'est un parfum naturel. Donc, comme dans tous les produits de notre gamme de maquillage, les parfums sont naturels. Donc, on parle pour les rouges à lèvres d'un parfum aux notes de goji, si on veut qu'on essaie de encore une fois, le goji n'a pas un parfum. C'est vraiment juste le nom qu'on a associé à ces parfums-là. Mais celui-ci, c'est argan et c'est naturel, 100% naturel. La philosophie, on va l'appeler la philosophie avec Sylvain? C'est la minute de philosophie, mais c'est toi qui me fais réaliser des choses. C'est que, puis là, ce matin, ce que je te disais, je parlais de la bourse, c'est un peu à propos, parce qu'il y a eu des hausses incroyables. Puis en trois jours, c'est comme ces hausses-là, bien, une grande partie a été annulée. On est là, on se pète les bretelles un peu, puis on visualise, puis on vit plein de choses, pas dans la vraie vie. En pensant à ces profits-là. On ne les vit pas, là, on les imagine. On ne fait rien, en fin de compte. Puis là, après ça, bien, on vit un peu l'extase, on est euphorique, on est heureux. Puis là, il y a un revirement de bourse. Puis là, bien, on vit une dépression, ou une petite dépression, une grosse pour d'autres, ceux qui étaient sur marge, mais une très grosse. Par contre, il ne s'est rien passé dans nos vies. Je philosophe un peu, là, mais en fin de compte, cet argent-là, on ne l'a pas pris, on l'a vu, on la voyait, c'est une courbe, après ça, ça descend. Puis nous, on vit selon ces courbes-là, sans rien faire. Et c'est ça qui m'inquiète un peu. On ne fait rien, mais notre humeur est assujettie à ces variations-là de marché parce que ça gère notre pension. Puis peut-être qu'on ne se rendra pas jusqu'à cette pension-là, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent dans la vie. Puis on travaille toute notre vie en fonction de cette pension-là. Moi, je suis un peu à l'extrême dans le sens que tu le sais. Tu sais, ouais. Quand on s'est connus, j'avais pas grand-chose. Tu sais, j'avais rien dans mon compte de banque. Au contraire, tu sais, ça allait de l'autre bord. Mais je me suis jamais empêchée de vivre et j'ai toujours vécu comme si je vivais dans l'abondance. En me disant qu'un jour, le compte en banque allait matcher mes,
T'sais, mais je sais qu'il ne faut pas nécessairement vivre comme ça. Il ne faut pas s'hypothéquer. Faut pas. Mais moi, c'est ce que j'ai fait. Encore là, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire de vider nos comptes de banque non, aujourd'hui et de tout dépenser. De l'argent, en fin de compte, c'est un moyen d'échange. Fait que c'est du bonheur non consommé qu'on remet à plus tard. Hey, tant mieux, on a de besoin. Il faut se faire des petites, des petites provisions. Mais il y a un risque qu'on ne puisse pas le consommer, ce bonheur-là, parce qu'on ne sait pas on ce qui va arriver. On ne sait jamais. Moi, ma façon pour me rapprocher de ce que j'aime le plus... Excuse-moi, bébé. La façon de me rapprocher le plus de ce que j'aime et de ce que je suis, c'est de me dire, si je meurs la semaine prochaine ou demain, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Et pour les enfants aussi. Mais c'est drôlement triste de remettre plein de choses à l'avenir, dans l'avenir, puis en n'étant pas sûr de pouvoir les vivre. Il faut le manger, le crémage, avant le gâteau. Et ça, je l'ai appris très jeune, moi, ça, par exemple. Ça, je t'avoue, parce que je me rappelle, à un moment donné, j'étais chez un de mes oncles. Certains, s'ils écoutent, ils vont s'en rappeler. Macaroni au fromage, c'était mon plat favori. Et je mange tout le macaroni, puis je me garde le fromage pour la fin. Il arrive un accident, imagine-toi, l'assiette tombe. J'en pleure. Mon oncle, il dit, qu'est-ce que tu as à pleurer? J'ai dit, gars, il dit, je t'en donne une autre assiette encore plus grande. Ouais, mais il dit, là, il faut que je remange encore le macaroni pour me rendre au fromage. Il faut toujours m'en rappeler. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Je remange le macaroni, puis j'avais plus faim après. Mais non. J'avais plus faim pour manger le fromage. Et ça rejoint aussi, tu sais, on connaît tous des histoires tristes de personnes qui... Et ça, c'était triste. Ça, c'est triste. Ah, c'est... Quelqu'un a vraiment, tu sais, soudainement arrive un succès dans sa vie, puis quelques jours après, accident fatal. Ou... Tu sais, on ne sait jamais et on ne sait pas non plus... l'accident, là où il va nous mener. Pas moi, je perds pas mes journées. Je me souviens qu'à un moment donné, il y a longtemps, je perdais une journée par mois, ça me fatiguait. Je sentais que je perdais mon temps, comme tu dis, que je faisais pas, je n'étais pas en train de me réaliser, tout ça, ça n'arrive plus aujourd'hui. Mais l'instinct me mène là à vivre de façon spontanée, intuitive, malgré le boulot, malgré qu'on ait une vie chargée, malgré les projets, j'arrive à vivre spontanément, donc à garder cette étincelle-là, des fois, oublier un rendez-vous d'eux. Mais de ne pas avoir d'agenda serré, fermé, sévère, qui empêche la magie d'arriver. Et là, je vais rajouter quelque chose. C'est toi qui n'avais jamais d'agenda. Non, toi, tu n'en avais jamais. Ouais. Moi, tu te rappelles, c'est même toi qui me les achetais au départ. Moi, j'en avais un aussi. J'en avais un. Là, j'en ai plus. Okay. Je fais des fois le bilan, moi, des journées, puis je ne reviens pas des fois ce qu'on accomplit en une journée. C'est comme, je fais beaucoup, tellement plus maintenant. Ça fait tellement cliché, là, le sujet dont on parle en ce moment, mais c'est important peut-être de se poser la question à chaque jour. Puis, je veux pas avoir de l'air moralisateur. Nous autres, on a des journées qui sont, tu sais, des fois moins bonnes, là. Mais chose certaine, pas tellement. Non, vraiment pas. Pas tellement. Non. Mais ça va à peine de se poser la question puis de faire un petit examen là-dessus. Pas juste penser des fois, ma journée de travail a-t-il été productive aujourd'hui? Non, non, votre journée personnelle. Absolument. T'sais, même ça passe avant quasiment votre journée de travail. Bien, tellement. Ben, et qu'il y a toujours une façon de twister pour être heureux. Et si je peux me permettre, puis ça sera notre prochain sujet, moi, je voulais aller là-dessus, là, les obstacles. Quand on pense que c'est un obstacle ou que la vie qui a un frein au carré, pour moi, ces obstacles-là, c'est vraiment juste la vie qui nous dit d'aller un peu plus à droite ou un peu plus à gauche pour arriver à l'abondance. Il y a quelque chose que... Ou des fois, un manque de compréhension. Aussi, mais en s'écoutant, on ne se trompe pas de chemin. Il va y avoir des guides qui vont, se mettre. C'est un peu comme mon closing, ça, quand je suis arrivé. OK. Oui, mais je veux qu'on aille là la prochaine oui, fois. On y va. Donc là, stay tuned, à suivre. Dominique, on s'est vu au gîte de Saint-Philippe à Noël. Oui. Quand j'ai eu la très bonne idée. Ouais, non, mais de vous demander à travers la communauté qui pouvait apporter des recettes. Puis, tout le monde s'était exclamé. Tu avais fait les pains sans gluten. Tu étais venue avec ta cocotte qui est magnifique, que j'aurais aimé voir aujourd'hui. Et justement, tu avais apporté des canneberges. Oui, c'est ça. Puis, tu avais fait un party de foie. Ouais. Je ne savais pas, mais tu me l'as donné après, puis il est vraiment très beau. Donc, tu as créé un livre oui. avec toutes des recettes véganes. Dominique donne des ateliers aussi. Tu les donnes dans quel coin?
À Montréal puis à Laval. Les ateliers, c'est quoi? J'en ai pas mal. Moi, j'étudie en nutrition, dans le fond. J'ai comme un côté de mes cours qui c'est plus théorique, on peut dire. C'est, exemple, comment cuisiner le tofu tempeh, comment cuisiner les légumineuses, tu sais, comment... Là, ça, c'est plus des cours où vraiment on va travailler un ingrédient puis je vais donner beaucoup d'informations sur l'aliment, mais aussi sur comment le cuisiner. Mais j'ai une autre partie aussi. J'ai beaucoup voyagé. J'ai appris à cuisiner en voyage. Fait que j'ai une partie qui est très cuisine du monde, donc cuisine indienne, cuisine asiatique, cuisine libanaise. Et tous mes ateliers, les gens cuisinent avec moi. Je ne fais pas des démonstrations culinaires nécessairement. J'explique beaucoup là, pour que les gens puissent refaire à la maison, mais on cuisine tout le monde ensemble dans une cuisine. Là. On est comme entre 10 et 12 personnes, puis on se prépare en fait un repas pour... Il n'y a rien de mieux que ça. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as apporté aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, ce que j'ai apporté, c'est un peu comme des bases. C'est ça que j'aime faire, surtout à la maison, c'est que je me fais plusieurs bases, puis après ça, je fais des mix-match, tout dépendant. Comme ça, si les filles me disent « Ah, ben on veut manger des crêpes », ben là, j'ai comme une garniture, puis un légume, puis un ci, puis un ça, que là, je peux comme... Mais s'ils disent « Ah, ben on veut manger des macaronis », ben je peux aussi prendre les mêmes garnitures, puis les mêmes... puis le mettre dans mon macaroni. Fait que, tu sais, je me fais toujours... Ça, c'est le légume que j'ai fait pour aujourd'hui, c'est des aubergines au four. Fait que ça aussi, c'est un truc... Bon, depuis que j'ai des enfants, j'aime bien mettre plein d'affaires au four, puis, tu sais, revenir plus tard, puis c'est prêt, là. Je fais de moins en moins de cuisson, tu sais, au poêlon sur la cuisinière. Je trouve que c'est un bon truc. Oui? Oui. Qu'est-ce que tu as mis en même temps que tes aubergines? Bien là, j'ai mis juste des aubergines. J'en ai mis 4 aubergines entières. Je les ai laissées comme pas mal brûlées, quasiment, finalement. Puis pendant ce temps-là, j'ai fait cuire aussi les lentilles. Fait que c'est rendu mais les au four, qu'est-ce que tu as mis avec tes aubergines? OK! Ouais, les lentilles au four aussi? Oui, oui, oui. Ah, avec juste un petit mini fond d'eau, je trouve que c'est moins dur de rater la cuisson. Moi, j'aime ça, les lentilles bien fermes, puis belles, tu sais, rondes. J'aime pas ça quand c'est comme trop cuit, éclaté. Fait que là, je mets un peu de bouillon, puis je mets dans une cocotte comme ça que je peux mettre au four. Puis c'est une cuisson lente, là, tu sais, c'est comme une heure. Wow! Au four. Puis ça aussi, c'est comme à peu près une heure, fait que là... Puis tes aubergines, tu les as coupées? Oui, après ça, j'ai coupé en deux, j'ai évidé. Oui. Là, ça, c'est juste la chair. Des aubergines avec pas mal rien d'autre, sel, poivre, huile d'olive. Ça, j'ai mis un peu de légumes mélangés dedans. J'ai mis des oignons, carottes, céleri, juste pour assaisonner du thym. Après ça, une petite sauce aussi là, pour agrémenter tout ça. Ça, c'est une sauce au tahini, mais j'aime bien faire avec n'importe quel beurre de noix. Oui. Parce que c'est bien nutritif. Oui. Ça permet, comme là, le tahini, c'est pour le calcium, mais mettons le beurre de graines de citrouille, exemple, on peut faire le même concept. Là. Donc, tu étires à ta longe avec de l'eau, tu puis tournes. Puis du citron, oui. OK, parfait. Ouais. Puis là, j'ai mis un peu de levure dans celle-là. Mm. Puis un petit peu de sirop d'érable. Oh! Oui. OK, super. Fait que ça, c'est sauce tahini. Ensuite, je trouvais que c'était un peu brun, fait que j'ai mis des pommes grenades juste pour faire un peu une petite touche de couleur là, dans l'assiette. Puis ça aussi, c'est un peu le même concept. Ça, j'adore ça. C'est de la grémolata. C'est juste du persil haché avec un petit peu d'oignon vert, du jus de citron. Puis j'ai mis des petits morceaux de tomates. Puis t'as la crêpe? Bien ça, c'est pas... En fait, ça, c'est un pain plat. OK. Qui s'appelle soka. Je fais ça avec de la farine de pois chiche. Wow! Tu connais-tu la farine oui, de pois chiche? Oui, j'adore la farine de pois chiche. Ah, ben ouais, c'est comme merveilleux. Oui, absolument. Ouais. Beaucoup de protéines. Oui. Tu sais, quand ceux qui... Mais facile à préparer puis tellement goûteux. Ça, c'est vraiment juste de la farine de pois chiche avec de l'eau. Là. Tu fais comme une pâte à pancake un peu. Mais ça, je fais chauffer mon poêlon dans le four à 450. Puis là, quand il est chaud, là, je verse ma pâte dedans. Puis je le remets au four comme 15 minutes. Que de la farine, que de l'eau. Oui. C'est tout. Puis du sel. Du sel. Wow! Farine, sel, eau. Puis là, quand tu le mets dans le poêlon, comme là, je finirais peut-être un peu la cuisson avec, tu sais, je mettrais un petit peu d'huile d'olive sur le dessus, puis là, je le remettrais au four, là, tu sais, comme pour qu'il devienne plus brun, plus croustillant. Moi, je l'aime quand il est vraiment croustillant. Donc, c'est ta base? Après ça, tu la garnis, c'est ça? Bien, ça peut être comme une croûte à pizza, mais sinon, ça peut être vraiment comme juste un pain plat qu'on trempe aussi dans le petit huile d'olive, vinaigre balsamique. Ou même comme là, si on prendrait ça comme trempette, comme mes filles aiment bien l'humus, le baba ganoush, comme je pourrais même juste mélanger ça puis ça ensemble, puis ça me ferait un baba ganoush. Je pourrais juste faire une sandwich avec ça. Mais s'ils voulaient, exemple, une salade de pâtes, ben là, je mettrais comme des lentilles, j'utiliserais ça comme sauce, je mettrais des tomates. Puis on peut faire, ou tu sais, je pourrais le faire sous forme de pizza aussi. Je pourrais prendre ça pour le tremper, mais je pourrais aussi prendre ça puis sur la pâte. Oui, tu sais, les lentilles, le taboulé. Et là, tes filles mangent comme ça? Oui, ben oui.
C'est bien. On va le ouais. faire, puis après ça, on va filmer le résultat, OK? Puis j'aimerais ça qu'elle soit comme tu l'aimes, à haut point. Ouais. Je suis contente, j'avais jamais vu ça. En cette forme-là, oui. Ouais. Puis la farine de pois chiche, on peut faire tellement d'affaires avec ça. Là. Mais quoi d'autre? La panisse. En même concept, là, c'est farine de pois chiche avec de l'eau, du sel, sauf qu'on fait plus comme une polenta sur le four. Oh, wow. Puis quand elle est figée, on la met dans un plat qui va au four. Puis après ça, on peut. Là, elle va se former, elle va figer comme ça. Puis là, on peut faire des bâtonnets comme des frites. Puis après ça, tu fais revenir ça comme juste un peu dans l'huile, puis tu sers comme. C'est comme une frite de pois chiche, finalement, que ça fait. Je mange ça ce soir. Oui, c'est vraiment bon. Merveilleux. Oui. Donc là, on va le mettre au four. Là, lui, on va le mettre au four encore un peu pour qu'il soit super croustillant. Bon, et voilà. Donc, moi, j'aime tellement la fonte, là. Ça, wow, super! Ça. On peut faire ça, puis on pourrait mettre... moi, je mettrais petite lentille. Moi, j'aime bien petite lentille, ouais, avec aubergine, tahini, puis... bref, tout ça rempli un par-dessus l'autre. Très cool. C'est bon, hein? J'aime beaucoup, beaucoup. Pour les enfants aussi, les enfants ont besoin de protéines pour grandir, ouais. Tu sais, pour se... Ah, c'est beau! Magnifique! C'est ça qu'on mange, les gars. Vous allez vous régaler. Bravo et merci, Dominique. Bon, moi, je prends l'Oxyvita le matin avec ma chlorophylle et l'aloès. Mais maintenant, tu me dis que je peux aussi prendre l'Oxyvita avec le régénération. Oui. Et c'est quoi l'Oxyvita et c'est quoi la régénération? L'Oxyvita, c'est un concentré de cerises noires. Et on a aussi pris l'extrait du noyau dans la cerise. Ça donne énormément de vitamines. Puis c'est également très riche en fer. Puis le fer est reconnu pour absorber, aider le corps à absorber l'oxygène. L'oxygène qui est un nutriment tellement important que tout le monde manque. C'est pour ça que la combinaison Oxyvita et chlorophylle est gagnante. Absolument. Et qu'est-ce que va être la combinaison Oxyvita et régénération? Bien, la nature, dans sa sagesse, crée des aliments qu'on appelle des super-aliments. Puis régénération, c'est des super-aliments que j'ai combinés ensemble. J'ai choisi les gens qui font pousser ces poudres-là, qui sont des aliments qu'on met en poudre. Et je les ai tous réunis ensemble, puis régénération, ça le dit, ça donne à votre corps tous les éléments nutritifs que vous avez besoin pour que les cellules se régénèrent. Mais il faut que je prenne ça. Tu avais donné ça à mon chum, ben oui, faut que j'en prenne ben oui, moi tu aussi. Peux en prendre, ben oui, moi j'en prends. Voir quand, si... quand tu combines Oxyvita et régénération, ben tu donnes à ton corps un aliment ou des aliments qui sont ce qu'on appelle des super aliments. Ça nourrit le corps de façon absolument... extraordinaire. Spiruline, chlorelle, grains germés de camut, de quinoa, de culture biologique, feuilles entières d'herbes de blé et d'orge, de jus de luzerne, jus de pissenlit. Donc, et j'en passe. Oui. Des enzymes, tout ça. Des enzymes, c'est super intéressant. Du pollen. Donc, je prends ce quand? Parce que là, j'ai mes herbes le matin. Après ça, moi, j'enchaîne avec la chlorophylle. Je prends ça après? Bien, tu peux prendre ça, par exemple, en mangeant ta salade. Tu peux prendre ça avec ta salade. Tu peux prendre ça entre les repas quand tu as besoin d'une bonne nutrition. Tu peux prendre ça avant de t'entraîner ou après t'entraîner. Le produit Régénération vous donne complètement les protéines que vous avez besoin, puis c'est complètement végétarien. C'est des plantes. Puis ça donne tous les éléments nutritifs que le corps a besoin. On peut prendre ça n'importe quand. On peut prendre ça pour remplacer un repas. On n'a pas le temps de manger, on prend ça, on boit ça, le corps est complètement nourri. On peut vivre là-dessus pendant des jours sans manger rien d'autre. Chérie, je te vole ton Régénération. Tu sais, pour la petite histoire, tu me diras si je me trompe, mais quand je suis allée à ton émission, on faisait un jus ensemble, tu sais, puis moi, je suis pas chef, n'est-ce pas? Je fais un jus, je fais toujours le même, je prends ce qu'il y a. Puis je t'ai parlé de mon jus, puis toi, tu es arrivée après ça avec la serre, avec des jus, mais extraordinaires. À rechercher avec cette finesse-là, ce raffinement-là, là, et du charbon activé. Mais il était très bon, ton jus que tu m'avais fait. En tout cas,
Il m'en a parlé en tout cas, il m'en a parlé longtemps. C'est vrai? Oh, oui. C'était une limonade, t'avais mis un citron frais anti, avec la pelure, avec tout dedans. C'était vraiment très bon aussi. T'avais mis, dans celle-là, t'en as fait deux, t'en as fait un verre aussi. Oui. Avec du kale. Puis, Ouais. Il était excellent aussi, tes jus là. Au début, quand je faisais écouter des jus, il m'a dit une couple de fois: ah, celle-là, Jacinthe, était meilleure, là, il faudrait. Je te le jure. Et là, on travaillait dessus, là, je faisais écouter, je dis là, t'aimes-tu ça? Il dit: oh, là, il y a plus d'acidité, puis c'est bon, c'est fort. On va parler avec Daniel un peu des enfants parce que je te trouve tellement extraordinaire avec les enfants. On en parlait avant hier, il y a quelqu'un de la France qui est venu faire un reportage avec moi. Puis d'ailleurs, ça serait le fun, je vais lui en parler parce qu'elle veut que j'aille donner des conférences là-bas sur l'enseignement alternatif. Mais ses questions principales étaient sur les camps. Ah. Là, j'ai dit: oui, mais ça prend la perle. Parce que on a beau avoir des concepts, on a beau vouloir des écoles différentes, si les enseignants qui sont sur place n'ont pas ça en eux, ça floppe. T'sais, ça prend ces qualités-là et toi, tu les as quand il y avait des enfants qui étaient perturbés dans le camp. Tu prenais le temps avant de les approcher de toi à être bien. Et ça fonctionne. Merci. Tout cela est basé sur une compréhension, plusieurs compréhensions. Mais c'est lié à plusieurs choses, ce que je souhaite te parler ou vous parler aujourd'hui. Oui. C'est une question d'environnement et l'importance sur l'environnement et notre capacité d'influencer l'environnement. Pas avec les mots, mais avec notre être. On comprend aujourd'hui que le cerveau n'existe pas seulement au-dessus des épaules, ici. On a un cerveau, un deuxième cerveau dans le ventre. Absolument. On a un cerveau ici dans le cœur. C'est démontré et prouvé scientifiquement que 25 % des cellules du cœur sont des neurones. On peut même mesurer le champ de résonance du cœur. Cela veut dire qu'il y a une résonance, pom, 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 pom. Mais on peut regarder avec certaines machines c'est quoi la distance de résonance, c'est quoi notre champ d'énergétique. Wow. Maintenant, nous sommes dans les nôtres. Moi, j'aime bien être dans le ciel. C'est 10 pouces, c'est le plus sensible, mais ça allonge jusqu'à 10 pieds. Aïe, aïe. Et 25 % de ça sont des neurones. Pour les jeunes, où la logique, la rationalité, ainsi que les expériences sociales qui créent leur filtre d'interprétation des sensations, sont moins développés. Absolument. Donc, leur champ de sensations du cœur et du corps physique seront plus dominants dans leur réactivité aux situations. C'est pour cela que lorsqu'un enfant ne va pas bien, il va crier puis bouger son corps. Et un adulte va peut-être juste changer son visage puis la tonalité de voix va changer avec les comportements. Donc pour les enfants, avant de les approcher avec notre logique, la rationalité de... Donc arrête de crier, je vais t'exprimer la situation. Donc pour commencer avec le cerveau, plutôt commence avec le cœur. Donc moi, si un enfant est en crise, je m'assure que moi, j'ajoute une calme dans mon cœur. J'arrive avec une tolérance, avec une ouverture de compassion pour que lorsque j'approche l'enfant, je projette dans ses ondes électromagnétiques, les résonances de son cœur, une calme. Avant d'interagir avec les personnes, un enfant qui est en crise, si on scanne d'abord, ça va aider. Si on rentre en crise avec lui, puis on s'énerve, mais ça, on va juste multiplier la crise, si on veut. Et l'autre chose, c'est que je le vois avec Charles, par exemple, des émotions, des trucs qu'on vit mal, par exemple, à l'école ou ailleurs, ça peut entraîner des maladies, des rhumes, ça va affecter. Donc, ces émotions-là, où les situations de conflit vont affecter notre santé aussi. C'est ça. Donc, il y a quelque chose qu'on se rend par contre à quel point nous sommes influencés par le modèle dominant de médecine, que je respecte beaucoup. Mais la façon dont le médecin est abordé dans les hôpitaux, c'est très compartimentalisé. Oui. On voit des psychologues, on voit les gastroentérologues, on voit des kinésiologues. Donc, on voit différents spécialistes pour parler de différentes parties de nos corps. Mais en fait, tout est intégré en nous tout le temps. Donc, les émotions deviennent des neuropeptides qui sont des chimiques qui vont communiquer différemment avec des organes, qui vont changer leur fonctionnement enzymatique.
Donc, il n'y a pas des comportements, donc les stress mentaux vont rester dans le cerveau, les stress émotionnels vont rester dans le cœur, les stress physiques vont rester dans les tissus des ligaments. Mais non, tout est en communication. Et c'est pour ça que Dr. Brouillard parle souvent du premier facteur, mais pas juste lui, mais je le prends lui parce qu'il est dans notre cercle, mais du stress, comment le stress va engendrer différents... Tu sais, le stress va être un inflammatoire aussi, tu sais. Donc, c'est tout ça. Donc, donne-nous des trucs pour rester bien. Donc, si on se trouve incapable de se débarrasser du stress, si on se trouve anxieuse, le corps est un peu rigide, au lieu de simplement essayer de se parler, de se calmer avec une auto-réflexion, peut-être essayer quelque chose de physique, mettre la musique, faire bouger le corps pour ne pas être rigide. Ou essayer quelque chose de physique d'abord. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah oui! Avant, tu sais, ton truc que tu shake. Je pourrais vous montrer. Ouais. Donc, ça, c'est, j'adore parce que c'est un peu ridicule. Je vais me mettre debout. Donc, moi, je plante mes pieds au sol, je débarre mes genoux pour permettre une circulation complète de ma colonne. J'attrape mes mains, je respire pleinement dans tout mon corps, j'expire. Encore une fois, j'inspire. Narine, ventre, dos, côte. Et maintenant, je vais faire secouer mes bras. Mais pas pour mes bras, mais pour faire encourager un mouvement vibrationnel de mon corps. Et je déplace mes bras vers le bas pour faire bouger plus mon bassin. On est poignées, les femmes au Québec, hein, versus les latines, là. Et ça, vers le haut. Parce que, tu sais, les enfants sont magnifiques dans le mouvement. Et nous, en adultes, on apprend comment de devenir très rigide. Très coincé. Dans le cou. Donc, moi, je bouge beaucoup. Donc, ça, je fais ça. Je change la trappe et je fais vers l'avant et vers l'arrière. Donc, cela va aider une libération de stress au niveau première couche des cellules. Donc, j'essaie de permettre autant d'ondulation dans ma colonne parce que n'oublie pas que la colonne est c'est une station de train pour les nerfs qui communique avec tous les organes. Donc, ce que la colonne adore faire, c'est tourner, twister, onduler, bouger. Parce que l'oxygène adoucit les tissus et donne l'air à nos tissus qui sont physiques pour les aider à se débarrasser des toxines, des choses stagnantes. Et ça, m'amène à mon petit tableau. Donc, tu me poses la question, comment est-ce qu'on peut mieux comprendre les groupes de bactéries. Est-ce que c'est vraiment une question des bonnes bactéries ou les mauvaises bactéries? Ce qu'on parlait tantôt, donc ça, c'est un microbiote. Un microbiote. Donc, les bactéries, un travail d'équipe. Ça, c'est une image que... Donc, j'ai eu une expérience avec un dentiste holistique qui est incroyable. Donc, il avait pris un échantillon d'une partie de mes dents, partout. Je l'ai mis sur... je l'ai vu dans un microscope. Je suis comme, oh, ben, je comprends des choses. Et j'ai vu un assemblage des choses comme ça. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de différentes formes, puis il y a différents types de mouvements aussi. Donc, je n'ai pas besoin de nommer les différents types de bactéries qu'on voit ici. Donc, ça, on va dire que ça représente un lymphocyte, qui est une expression d'activité de notre système immunitaire. Et voici, c'est un type de bactérie, on va dire un lactobacillus. Et ça, on va appeler un candidat. Donc, ce n'est pas complètement précis la forme, mais juste pour vous donner une idée. Et les petits points? Les petits points sont différents types de bactéries et choses. Parce que lorsqu'on regarde un échantillon du sang, un échantillon de quelque chose, c'est plein de différentes formes et activités. Et ce qu'on regarde, c'est quoi l'organisation, puis la quantité et le mouvement des différentes bactéries. Si on regarde beaucoup de globules de lymphocytes, on va savoir que le système immunitaire est très actif ici. Peut-être qu'il y a une infection. Il est en train de combattre. Voilà. Si on voit d'autres choses qui bougent très rapidement, on sait qu'il y a une irritation, une inflammation, puis voilà, c'est un problème. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut vérifier avec quelqu'un. Mais juste pour comprendre que ce n'est pas une question de « il y a une bonne bactérie, une mauvaise bactérie, une bonne bactérie ». Non. C'est comment est-ce que l'environnement se ressemble. C'est comme de regarder un coin dans une ville. OK, il y a un parc, il y a des maisons, il y a des gens ici, mais quels sont les comportements des gens? Est-ce que le parc, est-ce qu'il y a des déchets au sol? Est-ce que les gens disent bonjour l'un à l'autre? Et comment est l'atmosphère pour comprendre est-ce que l'environnement est sain? Il y a
plusieurs souches de bactéries dans leur corps. Lorsque l'environnement est toxique, qui pourrait être causé par un excès de déchets. De déchets dans le corps, oui. Du stress. Du stress, acidité, parce que excès de stress va créer aussi la stagnation. Des carences en minéraux, parce qu'on a besoin des minéraux pour chaque réaction métabolique, va rendre le travail de balayage, d'entretien plus dur pour les cellules. Parce que les cellules dans le corps ont besoin de l'air, de circulation, une bonne source des minéraux, assez bon équilibre des nutriments et une élimination saine. Alors, en terminant, comment avoir une bonne atmosphère? Comment avoir une bonne atmosphère? Il faut être bien hydraté. Manger plus cru, parce que l'eau qui est dans l'alimentation crue est vivante. Après, circulation. Donc, il faut bouger le corps et bouger dans tous les plans. Si nous sommes dans un bureau, chaque heure, surtout si vous observez que on s'effondre sur la colonne, très tôt, donc je dirais dans 15 minutes, on n'a que 30% d'oxygène qui remonte au cerveau. Donc, limitation de pas juste productivité, mais d'expérience. Donc, chaque heure, donc d'abord, essayez de mettre un coussin derrière le dos pour tenir une courbe lombaire, mettre les pieds au sol, déroule ses épaules, relâche le cou, prend les longues expirations, inspirations, expirations. Donc, chaque heure, on se lève. On peut faire les shake-shake ou au moins lève les bras sur la tête, étire un peu les côtés. Oh, quelque chose pour changer l'expérience corporelle. Après, on a parlé de stagnation, on a parlé de... Ah oui, aussi, une autre chose pour aider le corps à ne pas avoir une stagnation, c'est de changer le stimulus mental. Souvent, on peut juste, si on travaille et on a une certaine façon d'y penser, c'est très linéaire, c'est très logique, il faut changer avec différents types d'expressions mentales. Ah! Alors, d'où ce que j'ai lu hier, au lieu de prendre des notes comme j'aime le faire, de dessiner ce que j'apprends. Oui. Dessiner, puis ça amène un esprit plus créatif aussi. Puis pas besoin d'être bon en dessin, là, mais ce genre d'expérience-là différente, notre approche avec le monde qui change un peu. Oui. Mettre d'autres lunettes. Si mon travail me donne un type d'expérience, essaie d'élaborer d'autres expériences pendant la journée. Si je suis assise, bouge. Si je fais beaucoup de choses excitées, trouve la calme. Si je porte toujours la même couleur, change la diversité. Arrête la stagnation, puis la monoculture de nos propres activités.